Bonjour mes compagnons de la vape, bah écoutez, c'est Jean-Phi pour une nouvelle petite présentation sur un liquide qui me reste à vous présenter de la gamme Nugati Juice. Donc là chez moi il est 14h15 heure locale et pour moi ça se passe très très bien. Voilà. Alors donc ce fameux liquide, Oups, ça y est, je commence à déconner, je suis désolé pour le bruit, ça doit être horrible. Alors, le fameux liquide, c'était le qui me reste à vous présenter, celui-ci. Il y a un peu un contre-jour là. Je ne sais pas si ça va être mieux comme ceci. Donc le Banana Nut Breed, donc une banane sur pain grillé, grosso modo, en 3 000 g pour moi. 70% de glycérine végétale, 30% de propylène glycol, comme apparemment l'ensemble de la gamme de chez Nugati Juice. Voilà. Donc, bah, il est temps que je vous fasse un petit retour sur ce liquide, hein, avant de le remiser dans ma boîte de flaconnage vide, ok, qui sera en dessous de mon bureau. Donc, bah, écoutez, sans plus attendre, on va le goûter donc sur le dripper, le nudge, sur une relo à 27%. Enfin, si jamais j'ai une panne sèche, j'ai prévu à côté la MVV pour pas changer, ok. Pour ma part, donc en double coil NI80, pour pas changer, avec un montage relativement bas à, je sais pas si vous allez avoir à 0,13, ok, 85 watts. Voilà. Donc c'est un liquide gourmand, j'aime bien que ça soit un petit peu chaud à vaper, voilà. Donc comme ça fait, bah, écoutez, un petit moment que je le vape, je vais pouvoir vous en effectuer un meilleur, on va dire, une meilleure description que ceux que je débouche devant vous et que je goûte pour la première fois. J'ai plus de recul sur celui-ci, ok? Donc sans plus attendre, on y va pour une petite barre. Alors évidemment, il y a de la banane. Ce que j'avais peur, c'est qu'elle soit écœurante, mais je l'ai pris parce que dans l'ensemble de la gamme de chez Nugati Juice, généralement, ils ne font pas de surdosage sur certains arômes qui pourraient être un petit peu écœurants, notamment la banane. Donc c'est une banane qui est légère, bah, goûtue, hein, c'est une banane, ok. Donc pas du tout écœurante, voire même très très agréable à vaper. Hein. Ça fait 48 heures que je ne lâche pas le jus, ok. Alors, apparemment, il y a une notion de pain grillé. Alors, moi, je sais pas, j'aurais des problèmes de palais à ce niveau-là, parce qu'effectivement, au niveau des liquides gourmands, tout ce qui est gâteau, pain grillé, tout ça, ou à moins que ce soit la gamme de chez Nugati Juice qui est comme ça, j'arrive pas vraiment à ressentir le goût d'un pain grillé. Hein, donc, voilà, on sent qu'il y a un effet gourmand derrière, ok. Voilà, on voit bien que c'est pas du tout un arôme banane seul, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Alors, on a un côté un peu gâteau derrière, on va dire. Excusez-moi. Donc un peu gâteau. Ce qui est prédominant, c'est quand même la banane, hein, bien entendu. Mais elle est légère. Elle est légère, c'est pas non plus une banane mûre. Une banane trop mûre, je veux dire, c'est une banane juste ce qu'il faut. Assez tamisée dans la prononciation du goût. Donc qui est vraiment pas mal et je trouve que ce mélange, alors moi je sens pas franchement, enfin je crois que je me trompe pas, nut breed, pain grillé, quelque chose comme ça. Hein. Mon palais ne détecte pas vraiment ça ni à l'inspiration ni à l'expiration de la vape. Hein. On est sur une fonte gourmandise à la banane, ok. On sent un côté gâteau vanillé derrière qui accompagne cette banane. Mais en tout cas, c'est une combinaison, même si je n'arrive pas vraiment à séquencer, on va dire, la banane, le pain grillé, voilà. Enfin, la banane, si, on arrive bien à la détecter, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Hein. Mais c'est un ensemble qui fait que c'est une banane un petit peu ronde gourmande, sans être récurrent. Hein. Donc moi, en tout cas, en ce qui me concerne, bah, notamment avec un petit café là, un petit café glacé, hein, bah, moi, c'est parfait avec un café. Hein. Donc ça passe super, super bien. OK? Donc moi, j'ai voilà, un bon retour sur ce produit, me concernant, avec mes goûts perso, comme d'habitude. Hein. Voilà.
Mais vous attendez pas à une tartine de pain grillé d'un côté, de la banane dessus. Non, non, c'est un mélange, une banane arrondie, une gourmandise avec un côté un peu gâteau qui est vraiment très agréable. Vraiment, je le trouve très agréable. Moi, je suis pas non plus un fervent passionné des arômes bananes. Mais que nous commençons à connaître un peu la gamme avec le nombre de liquides de chez YouGov que je vous ai présenté, je savais que de toute façon ils n'allaient pas nous agresser avec une banane super mûre, voilà quoi. Donc pour moi c'est un super mélange, un bon gourmand, franchement, sans aucun regret. Voilà, c'est pas impossible que d'ailleurs j'en recommande de celui-ci. Voilà. Alors ça, c'était concernant donc le dernier des liquides de la gamme de chez Gotijus que je devais vous décrire. Je vous avais dit également que j'attendais toujours mes colis. C'est redondant, je vous le dis depuis 2-3 vidéos. Ok. Là, on est aujourd'hui mardi. Hein, et en fait, là pour l'instant, j'en ai 4. Alors, je me suis dit que comme je vous présente uniquement un jus, que ça pouvait être intéressant bah, de faire un déballage, que j'ai pas déballé, je vous l'avais dit, je les ai pas déballés, donc de faire un petit déballage devant vous, ok, afin qu'on puisse voir ensemble eh ben, quels sont les 4 premiers paquets que j'ai reçus. Je crois que je vais encore en avoir un demain. Bon, mais j'attendrai peut-être d'avoir la gamme complète cette fois-ci pour vous foutre tout le matos devant. Je vous rappelle que les paquets que je reçois, effectivement, j'ai oublié de vous le dire, si vous n'aviez pas regardé les vidéos précédentes, c'est du matériel aussi bien au niveau outillage mécanique, électronique, dans l'objectif de fabriquer une box méca en parallèle avec un MOSFET pour protéger le switch. Voilà. Donc c'est ça mon premier projet. Et si j'ai pas trop deux mains gauches par rapport à ça, et que je vois que finalement ça s'est pas trop mal passé, et ben peut-être que je me réintéresserai à faire du homemade au niveau de la box méca. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer par le premier paquet. Alors, je vais m'incliner comme ça parce que j'essaie de me moderniser de plus en plus avec les moyens du bord. Ok. J'ai mon iPhone qui filme de côté parce que c'est un vrai bordel. Si vous voyez mon montage, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Attendez, vous allez le voir. Allez, on se cache rien. Ok. Vous voyez, hein, sur un tabouret, sur un carton, voilà. Hein. Donc, c'est cet iPhone qui va filmer on va dire le plan latéral pour le gros plan sur le déballage des paquets. Voilà. Voilà, j'aime bien vous dire aussi comment je m'entreprends. Vous voyez, moi, c'est vraiment. Je m'étais toujours dit que je serais amateur et il n'y a pas de souci. Hein. J'ai mon petit trépied que j'ai payé 5 balles, même pas sur un marché. Bon, après, évidemment, il n'y a pas la perche, il n'y a rien. Donc, je l'ai posé sur un tabouret. J'ai fait quelques essais avant. Bon, voilà. Là, normalement, ça filme. J'espère que j'ai bien appuyé ce bouton pour que ça filme, pour pas avoir à me lever sans arrêt, voilà. Bon, alors, premier paquet. Alors, normalement, je vais essayer de m'incliner comme ça. Donc, on a un petit paquet. Alors, tout vient de Chine ou de Singapour. OK. Donc, on a un premier paquet. Donc, bah, écoutez, sans plus attendre, on va le déballer. OK. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Dans le premier. Alors, j'ai rien pris pour déballer les paquets. J'espère que je ne vais pas avoir trop de problèmes. Alors, effectivement, pour rappel, ça vient en 11 ou 12 colis, hein, ma commande, là. Parce qu'AliExpress, c'est un espèce de courtier ensuite qui dépêche les commandes chez tous les fournisseurs qu'ils ont sous le coude. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Qu'est-ce que nous. Ah, ben voilà, j'en avais commandé plusieurs. Donc, ce sont les MOSFET. Vous voyez. Alors, ils étaient vendus par lot de deux. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez mieux voir si je fais encore comme ça. OK. Voilà. Ben, je fais la rigueur. Je peux. Voilà. Donc. Les MOSFET, ok, donc élément très important, ok, donc dans ce paquet-là, bah, c'est tout, hein, vous voyez, hein, j'ai commandé tout chez AliExpress, mais bon, les MOSFET viennent à un endroit, et voilà. Donc, ok, donc premier paquet, les MOSFET. Deuxième paquet, bien collé aussi celui-ci, hein, nous avons un deuxième paquet. Nous avons un deuxième paquet. Putain, ils m'ont. Excusez-moi, je suis poli, mais ils me l'ont emballé. Oh la vache! Bah, ça doit être fragile ce qu'il y a dedans, hein, parce que. Qu'est-ce que c'est? Ils m'ont mis.
Juste une boule de plastique, c'est tout, non? Il n'y a rien dedans ou quoi? C'est une farce? Voilà, dites donc. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? En tout cas, c'est bien protégé, hein. Et je sais pas si vous voyez, mais... Donc, c'est quoi? Ah, les aimants! Bah, dites donc! Pourtant, c'est pas fragile, hein. Alors, j'ai pris des aimants parce que, évidemment, bah, comme si vous vous intéressez aux MED concernant les box, bah, écoutez, il y a une technique de percer le capot, hein, pour remplacer les vis par des aimants. Donc, moi, je me rendais pas du tout compte de ce qu'il fallait vraiment comme aimant. Alors, j'ai pris deux jeux de taille d'aimant. J'espère que ça ira. Ça sont trop petits, c'est sûr. Et j'essaie de vous les montrer plus clair. Je ne sais pas si je suis bien en face de l'objectif. Voilà. Donc, deux jeux d'aimants. Super bien emballés. Voilà, on peut dire que c'est super bien emballé. Donc, je les remets dedans. Je vérifie que... Il n'y a rien d'autre quand même, parce que... Non. Ok, donc ça, je range ça ici. Un deuxième petit paquet. Donc un deuxième petit paquet du même style que l'autre. Donc qu'est-ce que nous avons là-dedans? Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Ouais, je vous ai dit, hein, que j'avais pas déballé ça avant. Alors, qu'est-ce... Ah bah oui. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est donc du câble. C'est le câble, on va dire, pour le circuit de puissance, si je puis dire. Hein. Ça, c'est du gros câble. C'est ce dernier qui reliera le pin 510, hein, où on va visser la taux dessus. C'est là où ce câble ira sur le pin négatif, un sur le pin positif, et qui seront reliés au MOSFET. Voilà. Donc c'est du câble à section un peu plus forte. Ok, voilà. Donc le câble, vous voyez, qui est arrivé à part, vous vous rendez compte, il a pris l'avion. Hein. Ok, du câble. Et puis bah, le dernier, je pense savoir ce que c'est. Hein, ça ressemble à deux boîtes. Hein, ça serait bien les box. Alors ça doit être les box 1590B, je crois, la référence de mémoire. Donc c'est ce qui va venir accueillir tous nos composants et puis et les pièces mécaniques. Ok. Alors là pour le coup c'est bien emballé, mais tant mieux, parce qu'effectivement c'est pas la peine que ça soit cabossé. Franchement, emballage, franchement ils ont pas lésiné, hein. C'est pas mal. Hein. Donc voici. Donc on entend la boulonnerie qui se trouve dedans. Alors j'en avais commandé deux boîtes parce qu'effectivement, comme c'est la première fois, si je dérape au niveau du perçage ou que je prends mal des mesures, bon, que je ne suis pas comme un con à attendre 15 jours avant de recommander une box. Voilà. Donc voici, donc en main, ça fait quand même effectivement. Moi j'ai des grandes mains. Hein. C'est quand même, voilà, hein, y a de l'empattement. Hein. Ok, c'est pas un petit truc, hein, ok. Voilà, donc le premier matériel reçu, que j'ai commandé, donc il y a 15 jours. Le reste va arriver tranquillement, quoi. Ok. Donc voilà. Voilà, donc c'est en cours. C'est en cours d'acheminement. J'attends donc les autres colis pour qu'on puisse que je puisse faire le tri, regarder un petit peu tout ça. Il me manque, alors j'ai commandé le fer à souder, j'ai commandé une troisième main. Vous savez, c'est pour. Il y a des petites pinces crocodiles pour tenir quelque chose quand on fait une soudure. J'ai commandé donc tout ce petit-là, un forêt étagé pour percer, parce qu'il y a du perçage à 12, à 16, je crois, de mémoire. Des petits forêts pour faire des pré-trous avant le perçage et des petits trous de dégazage sur la box, éventuellement. Hein. Donc il me restera quand même une perceuse à acquérir. Ok, je pense que je vais essayer d'acheter ça localement. Hein. Et puis une fois que je vais l'ensemble des choses, j'essaierai de faire en sorte de mieux mettre la,
la position de la cam et tout ça pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble sur les objets sur le bureau, hein. Et ça nous permettra de voir ensemble, bah, moi, tout ce que, pour ma part, il me semblait bon, évidemment, suite à pas mal de visionnages de vidéos différentes, hein. C'est ça le charme de YouTube, hein. Des fois, on voit une vidéo qui sont souvent très bien faites parce que c'est pas forcément des pros, les mecs, donc ils se démerdent et puis ils ont été confrontés à des petits incidents de parcours, à des, voilà. Alors, le fait déjà de suivre tout ça, hormis de lister ce qu'il faut pour faire cette box, ben on regarde un petit peu le malheur ou le bonheur des uns et des autres, comment ils ont galéré ou ils ont bien réussi, et puis ben on essaie de prendre dans chaque vidéo ce qui va être le plus avantageux pour nous, afin qu'on puisse voilà faire la box dans les meilleures conditions, surtout que j'ai deux mains gauches, ok, nouveau bricolage, donc bon, normalement quand même, percer un trou... quand même, j'espère, hein. J'espère que ça se passera bien à ce niveau-là. Voilà. Bah écoutez, voici pour ce que je voulais vous dire pour cette petite présentation, donc à la fois du liquide et des quatre premiers paquets que j'ai reçus. Bah, la prochaine, ça sera certainement, bah, maintenant, je vais peut-être attendre, il y aura peut-être un laps de temps un peu plus long pour la prochaine vidéo. Sauf si je vois quelque chose de marrant avant, ou que je suis sorti en extérieur, puis que, bah, voilà, enfin, il y a quelque chose qui se prête à la vape qu'original, et à ce moment-là, je ne manquerai pas de vous le mettre en vidéo. Sinon, ça y est, après maintes et maintes galères, j'ai réussi, parce qu'il y a de plus en plus de sécurité sur Facebook maintenant, lors de la création d'un compte, hein. Alors après, je pense aussi, ça dépend du country, enfin de l'endroit où on se situe géolocaliquement, de façon géo... 1, 2, 3. Où on se situe d'une façon géographique, hein, c'est plus simple à le dire comme ça. Où on se situe par rapport au monde, hein, il y a peut-être des pays un peu plus sensibles que d'autres, on va dire, voilà. Donc voilà, j'ai repris tout, j'ai fait mon petit compte Facebook dédié à la chaîne, donc... Ça a exactement le même nom que ma chaîne YouTube. Jean-Phi, plus loin, VAP. Jean-Phi VAP. Et vous devriez retrouver mon compte YouTube en faisant ainsi. Alors, bah écoutez, n'hésitez pas à me demander en ami. C'est avec plaisir que je vais vous accueillir donc dans ma petite communauté d'amateurs. Hein. Et afin de pouvoir partager autre chose, et puis justement dans l'entre-deux vidéos, ça me permet moi de voilà si j'ai des petites choses à vous dire, des petits clichés à faire, photographiques, si voilà, ça me permet de communiquer, on va dire, entre mes vidéos, parce que des fois il y a des choses qui ne valent pas la peine de faire une petite vidéo, hein. Donc c'est assez pratique à ce niveau-là, puis ça permet de suivre si vous êtes abonné. En plus d'être en ami, si vous êtes abonné donc au compte Facebook, ben ça vous permet de recevoir des petites news, voilà. Mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la question. On a fait revue liquide, présentation des premiers paquets. Je vous ai annoncé que donc je venais de mettre à jour mon compte Facebook. J'attends que vous me demandiez en invite, et puis il y a aucun souci. Ben écoutez, moi je vais vous quitter donc sur une petite barre comme la traditionnelle, et puis je vous dis à très bientôt, mes amis.